Hey, salut, salut, c'est Jessica, votre coach de fitness. Ensemble aujourd'hui, on fait une séance de stretching et pas avec n'importe qui. Je suis avec Major Mouvement, comment tu vas? Salut tout le monde, ça va très bien et toi, Jess? Ça va très bien, ça fait hyper plaisir de t'accueillir sur notre chaîne. Tu sais qu'on fait beaucoup de sport, on fait beaucoup de HIIT, on fait beaucoup de renforcement musculaire, du cardio, etc. Et tu t'imagines bien que forcément, de temps en temps, on a des raideurs et on a besoin de toi, on a besoin de toi. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a certaines raideurs matinales, notamment chez à peu près 50% de la population, qui sont tout à fait normales. C'est normal d'être un peu raide le matin. Ça rassure, tout va bien. En fait, tout va bien. Je suis raide, mais tout va bien. Elle n'a pas compris la blague. J'ai fait semblant de ne pas comprendre. Mais les gens avaient compris. De toute façon, allez, je vous montre. En effet, quand on fait beaucoup de sport ou même quand on ne bouge pas assez, on peut avoir des sensations de raideur au niveau des muscles. Et une des réponses qui fonctionne très bien quand on a ces raideurs, en effet, c'est de faire des étirements. Des étirements. Donc, on va faire ça ensemble. Il faut que vous sachiez un truc, c'est que Jess, quand elle m'a invité sur la vidéo, elle m'a dit, viens Greg, on se fait une séance stretching, les gens, ils vont être contents. Et après, juste après, elle m'a dit, de toute façon, il n'y a que toi qui vas bosser. Moi, je vais me mettre derrière. Allez, Jess, va prendre ta petite séance d'étirement. Prenez chacun votre petite séance d'étirement. Je m'occupe de tout. Ça va tellement nous faire du bien. Ça va être que du bonheur. Les amis, si vous nous découvrez sur la chaîne, je vous invite à télécharger mes 10 conseils pour être au top physiquement. Vous cliquez sur la description et vous allez recevoir mes meilleurs conseils pour perdre du poids, vous reprendre en main, avoir une meilleure alimentation, etc. Je te suis? Bah oui. Bah oui. Alors. Étirement. Ah, mais ça va faire du bien. On va dormir là? On va se détendre, Jess. Ah ouais? On va se détendre, on va se faire du bien. On va envoyer à notre corps un petit message de salut, tu as un rendez-vous avec toi-même. J'envoie le chrono. On m'a dit que c'était 10 minutes. 10 minutes. Allez, c'est parti. Moi, j'arrive pas à tenir 10 minutes habituellement, mais on va essayer de faire un effort. Fais un petit effort. Alors, on va commencer par un étirement de toute la chaîne postérieure. Mais comme c'est notre premier étirement, on ne va pas chercher à aller loin pour l'instant. On va juste chercher à caler notre respiration. Donc, vous allez vous positionner en appui bien sur les ischio-jambiers, donc sur la base. Et vous allez étirer vos ischio-jambiers en enroulant la tête, en enroulant le buste. Vous imaginez que vous regardez le sol. Là, vous pouvez sentir que ça tire de la base du crâne jusqu'aux fesses, jusqu'à l'arrière des genoux et vous restez là. Pour l'instant, juste vous restez là. Vous allez inspirer. Et souffler. On ne cherche pas à gagner pour l'instant. Et souffler. Vous inspirez par le nez. Et vous soufflez par la bouche. Lorsque vous allez souffler, vous allez sentir votre ventre se vider. Et quand le ventre va se vider, vous allez vous écrouler un peu plus. Juste vous laisser descendre. Ce n'est pas un à-coup. Je prends ce que mon corps me donne. Allez, encore 3 cycles respiratoires. Je prends ce que mon corps me donne. Normalement, vous devriez sentir que les zones de restriction au départ de l'exercice sont en train de changer. Peut-être vous sentez d'autres points de tension apparaître. D'autres restrictions. Et cette fois-ci, on va aller un peu plus loin. Vous allez positionner les mains à un endroit de vos jambes, de vos genoux, de vos chevilles, de vos pieds, où vous allez commencer à ressentir une vraie mise en tension. Et vous allez y rester pour l'instant. Une fois de plus, le but du jeu n'est pas d'aller loin. Le but du jeu est personnel, et juste de ressentir un maximum de mise en tension, mais qui doit rester confortable pour l'instant. Sur une échelle de mise en tension, on est sur du 3, 4 sur 10. Et on reprend cette respiration. Sur cet exercice, vous avez deux possibilités. Soit vous avez envie que ça tire plus derrière les jambes. Et là, vous allez faire l'effort activement de hop, contracter le quadriceps pour faire remonter votre rotule. En faisant ça, vous allez plutôt étirer derrière les ischio-jambiers, ramener la pointe de pied et vous allez sentir que ça va plutôt tirer dans les jambes. Personnellement, ce n'est pas celui que je préfère. Moi, celui que je préfère, c'est plutôt faire en sorte de tirer avec mes bras pour m'amener loin devant.
et plutôt étirer les lombaires parce que c'est là où je sens que mon corps a plus envie d'aller. Vous pouvez évidemment faire les deux. Je ramène la pointe de pied, je contracte mes quadriceps et je me penche en avant. Mais là, ça tire beaucoup. Donc, choisissez la formule que vous préférez et laissez-vous la possibilité de passer de l'une à l'autre. On part sur 30 à 45 secondes, 6 cycles respiratoires. Vous inspirez par le nez et vous soufflez. Sur le temps expiratoire, vous allez vous laisser tomber. La petite astuce ici, c'est quand vous vous laissez tomber, c'est votre tête qui va guider. Si votre tête revient vers vous, vous allez plutôt sentir dans le dos. Si votre tête part devant, vous allez plutôt sentir dans le bas du dos. À vous de choisir là où vous préférez. Encore 3 cycles respiratoires complets. C'est pas la peine de forcer, c'est vraiment pas le but. Vous prenez ce qui vient. Apprenez à apprécier les messages que vous envoie votre corps. Et vous allez petit à petit, comme si vous vouliez ramper le long de vos jambes, revenir en position initiale. Il faut comprendre que les étirements, vous n'allongez pas les muscles. Ce que vous faites sur les étirements, c'est que vous jouez sur la structure nerveuse qui se raccroche aux muscles. Plus on s'étire, plus on envoie un message aux nerfs et au cerveau de « Hey, on est capable d'aller là !» Et si on relâchait le muscle qui nous freinait ? Ce n'est pas la fibre musculaire qu'on étire, c'est plutôt le nerf qui devient moins sensible. Et c'est pour ça qu'on est capable de gagner. Et c'est aussi malheureusement pour ça qu'on repère derrière. Donc gardez en tête que les étirements, c'est juste un message de bien-être pour votre corps. Ça fait du bien. Et c'est déjà excellent. On va venir chercher l'inverse. On a étiré la chaîne postérieure. On va venir étirer la chaîne postérieure. Sur cet étirement, je vais vous montrer deux variantes. Si jamais vous êtes très souple, vous pouvez venir directement vous mettre sur les coudes. Regardez, c'est marrant, parce que moi, ce n'est pas mon cas à gauche, mais c'est mon cas à droite. Donc, on est complètement asymétrique et c'est tout à fait OK. Vous pouvez, par exemple, prendre une pile de coussins pour venir le mettre sous votre dos ou faire comme Jess, vous mettre en appui sur les bras. Personnellement, je préfère la pile de coussins pour pouvoir en fait complètement me détendre, c'est plus confortable. Et comme je vous l'ai dit, le but du jeu des étirements, c'est d'être confortable. Et on va venir relâcher là. Ici, ce que vous allez étirer, c'est toute la partie antérieure. Donc, on va avoir le quadriceps, le psoas, les abdominaux. Vous pouvez même venir étirer le grand dorsal, le grand pec en montant les bras. Et si jamais vous avez positionné les coussins comme moi pour avoir la tête dans le vide, vous pouvez étirer les scum, les scalènes, le diaphragme. Vous allez inspirer et relâcher un souffle. Sur cet exercice-là, il est possible que vous ressentiez le blocage au milieu du ventre, de l'estomac, au milieu du thorax. C'est votre diaphragme. C'est votre diaphragme où vous avez peut-être des difficultés tout simplement à le faire visiter toute son amplitude, d'où l'importance une fois de plus de la respiration. Vous allez inspirer à fond. Ça va faire descendre le diaphragme. Grande expiration, la bouche grande ouverte.
Vous restez là, je ne donne aucune indication, vous respirez comme vous le voulez, en gardant cette intention de venir ressentir ces petites zones de blocage, de restriction, qui petit à petit, à chaque cycle respiratoire, se relâchent. Écoutez ce que vous dit votre corps. Ça peut bloquer plus dans la cheville, dans la hanche, dans les lombaires, dans le milieu du dos. Est-ce que c'est un blocage qui est confortable? Une sorte de douleur qui fait du bien? Est-ce qu'au contraire, c'est un blocage qui augmente la sensation désagréable? Auquel cas, vous avez le droit d'adapter. On va repasser sur les côtes. Vous pouvez passer un peu sur le côté pour dégager votre genou et le ramener. Ce qu'on fait d'un côté, on essaye de le faire de l'autre. Je ramène avec ma main au niveau du coup de pied et je viens poser la jambe. Je suis plus confortable de ce côté-là. Je peux donc mettre plus de tension, moins de hauteur. Et on reprend les bras en l'air. J'inspire. Et je souffle. Normalement, vous devriez déjà ressentir votre diaphragme qui est plus souple. Vous devriez moins ressentir cette sensation de blocage. Il est normal maintenant, peut-être, de ressentir des émotions dans votre poitrine, dans votre ventre. Laissez-les venir. Y compris si ce sont des émotions désagréables ou des émotions joyeuses. Accueillez-les. Ne cherchez pas à les interpréter. Et à chaque cycle respiratoire, vous allez voir qu'elles vont évoluer. Elles vont passer. Elles vont prendre plus de place. Moins de place. Elles vont se transformer. Ou laisser place au vide. Un peu comme si vous étiez dans un train et que vous voyez un paysage passer que vous ne pouviez pas maîtriser. Je vous invite à regarder les émotions qui vous traversent comme ça. Sans jugement. Et dans l'acceptation. Encore 3 cycles respiratoires et vous allez revenir avec nous. Super. Vous allez repasser sur le côté pour dégager votre jambe et venir tranquillement vous asseoir. C'est pas ça à quoi tu t'attendais, hein ? Pas du tout. Comment tu te sens ? Eh bien, écoute, j'ai adoré. Et vous, comment vous vous sentez ? Moi, j'ai adoré ton approche, vraiment très apaisante, qui nous emmène à aller chercher plus loin qu'un simple étirement musculaire. Et tu m'as emmenée, je n'ai pas vu le temps passer. Et vous voyez, sur seulement 2 exercices différents, on observe une sensation très agréable de détente
profonde. Et ça reste l'objectif premier. Exactement. Du stretching. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça t'intéresse que je t'explique ce que j'ai fait? Bien sûr. En une minute. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis kiné, thérapeute manuel. Et j'ai passé beaucoup d'années à essayer de comprendre la mobilité et les étirements musculaires, ce qui se passe dans les articulations. Et je pense que vous le savez, on n'arrive pas à comprendre exactement ce qui se passe. Tout le monde dit tout et son contraire. Tout à fait. Et je vais être très franc avec vous, au fur et à mesure de ma carrière, parfois j'évolue et j'essaye différents courants. Et à ce moment-là, de ma carrière, je me dis, en fait, si ce qu'on étire, ce n'est pas tellement le muscle, mais ce qu'on cherche, c'est une réponse nerveuse, peut-être que le bénéfice de l'étirement n'est pas de venir chercher 50 étirements différents pour étirer toutes les structures. Parce qu'en fait, en faisant ça, on augmente un peu la sensibilité partout. Mmh. Et si on essayait autre chose, de faire que deux étirements très en longueur sur la respiration. Et ceux qui sont habitués, on retrouve ça beaucoup dans le yoga. C'est vrai. Et vous voyez que finalement, on va vite sur d'autres sphères, sur de l'émotionnel, sur du digestif, sur du viscéral. Et en ce moment, je suis là dans ma carrière. Donc, dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est un courant de pensée qui vous intéresse ou au contraire, ce n'est pas du tout pour vous et tout est OK. Mais moi, j'aime bien être capable d'explorer tous ces univers et peut-être que dans 10 ans, je vous dirai « Bon, écoutez, j'ai essayé ça et peut-être que cette technique est adaptée pour ce type de personne à ce moment-là ou inversement. » Aujourd'hui, on en est là en tout cas. Aujourd'hui, j'en suis là. Merci pour cette séance. Avec plaisir. Moi, ça m'a fait énormément de bien. J'espère que vous aussi sur la chaîne, n'hésitez pas à nous partager en commentaire vos ressentis par rapport à une séance de stretching, je dirais plus classique plus traditionnelle, plus fitness, par rapport à ce type de séance. On est très curieux d'avoir vos ressentis à vous, comment est-ce que vous l'avez vécu. Oui, mais... Il y avait un mot important dans cette phrase, c'était le dernier. Est-ce que ces 10 minutes ont suffi à te déraidir? Souvent, il me faut moins de 10 minutes pour me déraidir. Sur cette bonne note, je vous fais plein de bisous. Ciao. À très vite. Salut.